belle coup de mêlée. Ben, je vais la prendre. À tout de suite. Et notre coulmelle, hop, je prends. Je vais l'amener dans le sac. Hop. On va chercher une autre. Je vais traîner dans le coin, mais ça va être temps que j'en trouve, parce que franchement, les cèpes de Bordeaux, là, je pense pas en trouver, parce qu'il y a trop de monde. Alors, une autre coulmelle que je prends. Hop là, voilà. Je vais coulmelle. Là, il y a l'anneau. Il coulisse, c'est bon. Hop là. Bon, on va essayer d'en trouver d'autres. J'avais vu quelques-uns là. Je vais voir. Je vais prendre mon sac à dos. Hein. Et c'est parti. Là-bas. J'en ai une autre là. Ah, il y a de quoi mettre. Hop là. Pas une épiote, hein. Voilà. Si on regarde bien là, l'anneau il coulisse. Vous voyez ? Donc c'est bon. Toutes les coulmelles qui n'ont pas d'anneau, déjà à la base, faut pas les prendre. Tant qu'à faire, prendre ceux qui ont des grands pieds aussi. On va continuer par là-bas, voir. On va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de monde dans ce bois, là. J'aime pas trop. Je vais continuer à fouiller dans le coin, là. On verra bien. A tout de suite, les amis. Attention de ne pas glisser. Ah, il y en a une autre là-bas. Je vais voir ça. Ouais, une autre. Hop là. Attendez. Voilà. On continue. Je sais pas si je vais trouver les cèpes, on verra bien. J'ai un chat dans la gorge. On va continuer par là, je fais attention à mon dos. Il y a trop de monde, hein. Trouver des cèpes là ça va être dur. Ils viennent tous avec des gros seaux. Ça va être chaud. Hein. Là, c'est des cèpes que je veux. Ils en ont ramassé tellement cette semaine là. Que... Allez voir dans les feuillures. Bon, pour l'instant je vais couper. Si je trouve un champignon, ben, je vais rallumer la caméra. Comme ça on pourra se revoir. A tout de suite. Une qui a été renversée, je vais aller voir ça tout de suite. C'est dommage. Les gens ils connaissent pas. Ben, ils retournent. Voilà le type de cumelles qu'il ne faut pas surtout pas prendre. Celle-ci là, je vais essayer de les prendre de près. Voilà. Ça là, faut pas prendre. Déjà une, elles sont toutes petites. Vous voyez la couleur de la mamelon là, regardez, je vais essayer, voilà. C'est des tout petits coulmelles, voilà. Vous voyez, regardez, voilà, c'est vraiment petit. Ça, faut pas prendre. Ça, oui. Voilà, ça, c'en est une belle. Bon, elle a été retournée. Les gens, ils connaissent pas, ils osent pas prendre. Mais ils renversent quand même. Alors, je vais prendre. A tout de suite. Ah, voilà. Je vais coulmelle. Voilà. Je vais continuer. Si je pouvais trouver des cèpes de Bordeaux, ce serait le pied.
Ils ont tout ramassé ce week-end, ça va être chaud. Je crois qu'il faut revenir la semaine prochaine. Alors ceux-là, je ne les connais pas encore vraiment, donc je ne vais pas y toucher. Je ne les connais pas encore vraiment, hein. Ça pousse sur des souches. Je sais qu'il y en a qui sont comestibles dans ceux-là, mais lesquels, je ne sais pas encore. Donc je vais les laisser. Et c'est joli en plus, hein. Voilà, allez, regardez. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment joli comme champignon. Ça donne envie de les manger en vrai. Mais bon, je ne connais pas, vaut mieux pas y toucher. Donc on va continuer. Je vais aller un peu par là, ensuite j'irai dans ce bois-là. Là, pour voir, mais je vais m'en tirer un peu quand même, parce que trop près de la gare et les gens, je sais qu'ils n'aiment pas trop s'enfoncer. Vous voyez, regardez, c'est joli, hein. Si seulement je savais s'ils étaient bons, comment je les aurais ramassés. Ah là 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 là, boudiou. Allez, on continue, on va continuer la marche en avant. Voilà, là je suis pas loin du chemin là en plus. Je m'arrêterai tout à l'heure pour casser une petite croûte. Parce que ça fait faim. Et je me suis quand même mis au régime. Enfin, pas régime. Je fais attention à ce que je mange. Voilà, j'ai arrêté l'alcool. Et je bois que de l'eau. En faisant attention à mon alimentation. Comme ça, je vais bien maigrir. Pas évident de trouver des cèpes, hein. J'aurais bien voulu en trouver. Toujours pas de cèpes à l'horizon. Par contre, j'en ai vu dans le coin là-bas. Encore une qui a été arrachée. Apparemment, elle a l'air comestible. Hein. Ah, là, il y en a une belle. Là. Je vais regarder. Avant tout, je suis obligé d'enlever le pied là. Voilà. Ah ouais. Jolie petite coulmelle, je vais la prendre. Attendez, c'est pas évident d'une main. Je coupe. Voilà, je l'ai mis dans le sac. Là, j'en vois une autre qui était par terre. Je vais ramasser. Voir ce que ça donne. Hop. Elle est jolie, hein. Jolie, jolie, hein. Et sa eau, il coulait super bien là. Vous voyez. Voilà. Là, je vais la prendre. Et on continue. Désolé, hein, ça tremble. C'est pas évident d'une main. Je vais peut-être m'acheter une GoPro là, j'ai vu ça. Alors, je fais un coucou à Alain Bushcraft, mon Jeronnais. Et puis à une nouvelle personne que j'aime bien aussi, Indiana Dadoun, à qui je fais aussi un coucou. C'est un gars qui est super aussi, que j'apprécie beaucoup. Et il fait de belles randonnées, c'est aller voir les gars sur sa chaîne. C'est vraiment un gars vraiment agréable. Voilà, voilà. Bon, pour Alain Bushcraft, mon Jeronnais, bien sûr, on se retape un petit bivouac. T'inquiète, je t'oublie pas. Là, je sors d'une convalescence à cause de mon dos, bien sûr. Mon dos, genou. Mais dès qu'on peut, il n'y a pas de souci. On se fait un petit bivouac. Là, je teste et puis on verra bien. Voilà. Alors, donc, un petit coucou à Alain Bushcraft, mon Jeronnais. Et à Indiana Dadoun. Voilà. Le message est passé. Bon. Ensuite, on continue. Vraiment agréable d'être en forêt, moi je vous le dis, hein. Purée. Donc je vais passer toute l'après-midi là, tranquille. Écoutez les oiseaux. Ah, c'est agréable. Là, je vais m'enfoncer tout droit, là, je vais pas.
Mais en tout cas, j'ai pas de sapeur en vue. Je m'arrête exprès de marcher parce que parfois c'est en s'arrêtant de marcher qu'on les voit. Des fois on peut même marcher et passer à côté sans le voir. Je sais pas comment ils font les gens. Ils en ramassent des paniers entiers, je sais pas. Peut-être que je suis miro, faut changer de lunettes. Bon, sur ce, on va continuer. Dès que je retrouve un champignon, je rallume la cam. A tout à l'heure les amis. Alors voilà ce qui fait plaisir les amis. Voilà ce qui fait plaisir. Je marche doucement depuis tout à l'heure. Je fais pas de bruit. Alors, je vais le cueillir avant qu'il rentre dans la terre. C'est un beau petit cèpe de Bordeaux que voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors quand il y en a un, il se peut qu'il y en ait ailleurs autour. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau. Un beau petit jeune cèpe de Bordeaux. Je ne vais pas crier trop fort, mais je crois que je vais continuer. Je vais le cueillir. Désolé, je vais disposer la caméra. Aïe, ça pique. Là, faut savoir prendre. Voilà, un joli petit cèpe de Bordeaux. Alors, je prends mon couteau. Ah, j'en ai vu un autre quelque part, là, attendez. Oh, il est beau celui-là. Je vais mettre un bout de bois pour repérer tout de suite. Voilà, j'ai mis un bout de bois. J'ai mis un bout de bois à côté d'un autre, là, que je viens de voir. Pour le repérer, pour ne pas le perdre. Mais franchement, voilà. Un beau petit cèpe de Bordeaux. Pas virus, rien du tout. Ça, c'est à prendre. Alors vous voyez, le cèpe de Bordeaux, au bord du chapeau, il y a du blanc. Toujours. Voilà, c'est à savoir. Je vais recueillir l'autre que j'ai vu quelque part, que je vois à ce bout de bois là que j'ai mis là. Et au bout de ce bout de bois, il y a un petit cèpe que j'ai vu là, à l'instant, et il est là. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ça. Il était bien caché. Hop, on va cueillir aussi celui-ci. Voilà, je vais essayer de caler la caméra. On va essayer de caler la caméra et voilà, voilà le cèpe de Bordeaux que je viens de trouver aussi. Hop là. Ah, ça c'est beau. C'est vraiment trop beau. Allez, c'est parti les amis, on continue. Si je pars doucement, c'est pour pas qu'on m'entende. Mais je crois que je continue à faire le tour d'ici. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Je vais bien regarder autour de moi quand même. Ah, il y en a un autre, là ici. Regardez-moi ça, c'est le fort beau celui-là aussi. Et j'étais juste à côté. Vous voyez, j'ai coupé celui-là, là. Pas dans le coin, hein, il était ici, là. Tiens, il était là, voilà. C'est celui-là que j'ai coupé. Et là, regardez ce que je trouve juste à côté. Un autre cèpe de Bordeaux. Super. Je mets la caméra de côté. Hop là. Je vais continuer à tourner autour, il se peut qu'il y en ait d'autres hein, que j'ai pas vu. Ah super. Faire le petit tour là. Voilà, bon les amis, je vous reprends tout de suite après si j'en retrouve un. Les amis, ce que je viens de trouver, c'est une perle. C'est une perle. Je pense que ce sont des pieds de mouton. C'est toute une lignée, il va falloir que je regarde si c'est bien ça. Je vais regarder si c'est bien ça, ce serait des pieds de mouton apparemment. Donc on va contrôler ça tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez ici là. Vous voyez là, le blanc là. Ce serait des pieds de mouton, si je ne me trompe pas. Donc je vais regarder tout de suite et étudier vite fait le champignon. A tout de suite les amis. Attendez, je vais même essayer de bloquer la cam plutôt. Comme ça vous verrez ce que je fais. Voilà, je vais prendre celui-là qui est là. Voilà, ouais, c'est des pieds de mouton. Vous voyez, regardez.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça, regardez, ça, ce sont des pieds de mouton. Voilà. Alors voici le pied de mouton, super beau. Pour moi, il passe en premier comme le cèpe de Bordeaux, avec les chanterelles, la girole, le champignon, la chanterelle en tube aussi. Voilà, très très bon comestible, avec de la viande blanche. Alors celui-ci, c'est un champignon qui est très 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 fragile, il se casse facilement. Et avant de le faire cuire, il faut enlever les aiguillons, sinon ça salit le plat. Voilà. On va essayer d'en trouver d'autres. Alors ces champignons-là, là, les pieds de mouton, ils poussent en lignée ou en ronde de sorcière des fois aussi. Hein. Ça arrive. Donc ça pousse surtout sous les feuilles. C'est dur. Vous voyez, regardez, il y en a d'autres là. Là, il y en a d'autres. Ce sont des petits pieds de mouton. Si je reviens, dans quelques temps, ils vont grossir. Mais le souci, c'est que les gens, ils arrachent tout. Bon, au mieux, en profiter tout de suite, faire des petites omelettes avec. Oh, vous voyez ? Regardez. C'est pas beau, ça ? Hop. Un champignon extrêmement fragile. Voilà. Beau petit pied de mouton. Hop là. J'essaye d'enlever la feuille là, elle me gêne. Voilà, pied de mouton. J'en ai fait tomber un. Il est là. Je ne regrette pas d'être venu aujourd'hui. J'hésitais, mais j'ai dit Alain, faut sortir. Et la forêt, franchement, il n'y a rien de tel pour se requinquer. Bon, ben on va continuer. Ce qui est bien, c'est que j'en trouve. Voilà. Donc, on va continuer à fouiller dans le coin, là. Je vais peut-être aller de l'autre côté du bois, on va voir. Je vais déjà continuer ici. Je vous reprends dès que j'en trouve un, les amis, parce que là, je vais pas vous faire galérer à chercher quand même. À moins que vous envoyez un, si vous pouvez me le dire, ça serait bien. J'en reviens pas, des pieds de mouton. Je suis bien content. En fin de compte, je vais continuer dans l'autre bois là-bas en face. C'est quoi ça là ? Non, c'est pas du tout un cep. Absolument pas. Bon, je vais continuer dans le bois là par là. On va bien voir. Ça se trouve, je suis passé à côté de plusieurs ceps que j'aurais pas vu. C'est ça qui est rageant. Des fois, quand on vient sur nos pas, bim, on en retrouve. Tourner, tourner, tourner. Voilà. Là, je vais aller dans le bois en face là-bas. En tout cas, je suis bien content, les amis. C'est pas beau. Caché sous les feuilles. Regardez ça. J'ai juste passé à côté à l'instant. Voilà, voilà, voilà. Un autre cèpe de Bordeaux. Super. Hop, et là, on va le cueillir. Madame Nature, on dit. Allez, on va le cueillir. Hop là. Hop là. Ça fait vraiment plaisir. Il était bien caché en plus. Vous voyez, il faut tourner, tourner, tourner sans cesse. Donc à mon avis, il y en a un autre quelque part là, peut-être. C'est possible, hein. Et ça, c'est des oublis, ça, hein, je pense.
Donc on va fouiller là dans le coin un peu. C'est comme le détecteur de métaux, on fouille, on trouve. C'est quoi ça? C'est pas une ressource charbonnière ça? Non. J'adore les ressources charbonnières. Les russules palomées aussi, les verdoyantes, elles sont super bonnes. Je vais aller fouiller dans le coin, mais je vais prendre mon sac. J'aime pas laisser mon sac comme ça à la traîne. Voilà. Dès que j'en trouve un, je reprends la caméra. Alors, je pense que c'est un pied de mouton, je vais aller voir. Et c'en est un, il me semble. Ouais, c'en est un. Voilà, un autre pied de mouton. Super beau champignon. Jaune or, jaune d'œuf. Et il est super beau. Hein. Voilà, je vais le prendre. Voilà. Un beau pied de mouton, les amis. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Là, je sais qu'ici c'est un beau coin à pied de mouton. Hein. Faudra que je revienne cet hiver là, avant les gelées. Ah, les porcs. Je devrais même pas vous faire voir ça, franchement. Mais bon. On va aller voir un peu par là et puis après j'irai de l'autre côté voir. Je marche doucement, exprès, pas pour pas faire de bruit, mais surtout pour voir les champignons, si j'en trouve. Bon, à tout de suite les amis. Alors là, voilà une mare à sangliers. C'est une mare à sangliers, vous voyez. Voilà. J'adore se mettre là les sangliers. D'ailleurs, on peut même en voir des traces. Les sangliers, voilà, trace de sanglier. Donc on va continuer. Oui, c'est les sangliers qui font ça. Quand on tourne la terre encore, ça va parce que ça fait du bien, ça fait respirer. Et parfois ça fait des dégâts, hein. Faut l'admettre. Oups. Pas rester discret. Oh oui, oh là 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 là, il y a eu de la fouille de sanglier ici. Hein. Purée. Bon, on va continuer. On va continuer par là un peu. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Voilà une coulemelle, une épiote, voilà, du coup je vais la prendre, elle est bonne aussi celle-ci, hop là, on va la cueillir. Je vais essayer de caler le téléphone. Voilà. On dit que je vais y arriver, purée. Bah ben voilà, là je trouve plus rien pour le moment. Ce que je vais faire, je vais aller en face là-bas. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Je tourne un peu pour l'instant, mais je vais y aller. Ah, c'est pas évident. J'aimerais bien en retrouver là. Ça faisait plaisir. Je vais aller voir par là un peu avant. Ouais, je vais aller voir par là après. A tout de suite. Je crois que j'en ai vu un beau là. Je viens juste de mettre les yeux dessus. Et il est joli. Hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau celui-ci. Ah, beau cèpe de Bordeaux encore. Super, ça fait plaisir. 1, 2, 3,
4, ce sera mon 5e cep. Super, ça fait plaisir. Je pose la cam. Voilà. Et on va le couper. Voilà, beau cep. Je vais enlever la terre qui est au bout là. Et c'est parfait. A tout de suite, les amis. Ah, ils sont bien cachés. Hein. Je vais fouiller dans le coin là. Et on va voir. A tout de suite, les amis. Oh que c'est beau ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là, regardez-moi ça mes amis. Regardez-moi ça ce que je vois là. Waouh, ça fait plaisir. On va continuer. Hein. C'est super, je suis super content. Super. Eh ben on va les cueillir. Hein. Hop là. Ben, j'essaie de bien mettre la cam. C'est pas évident. Du tout. Bon. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. Et je vais prendre mes deux cèpes. Waouh, 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 waouh. Wow. À mon avis, il doit y en avoir d'autres. Oui, c'est sûr, mais pas forcément ici. Bon, bah ça fait plaisir. Hein. Wow. Là, il y a le train qui passe. On va continuer à chercher et puis on va s'en tirer un peu plus. C'est super. Et c'est bizarre parce que des fois, on les sent, les cèpes. Il suffit de suivre l'odeur et parfois, on tombe dessus. Regarde si je passe pas à côté d'un. Ça serait malheureux. En tout cas, ils étaient beaux les deux. Ah, il va falloir que je m'enterre un peu plus loin, je crois. Il y a une dame qui est là. Je vais certainement en trouver. C'est bien aéré. C'est pour ça que j'en trouve. Hein. On va fouiller dans le coin là. Ah mais là c'est un chemin. Long, hein. Allez, à tout à l'heure les amis. J'ai l'impression d'être avec un détecteur de métaux à la recherche de trésors avec mon téléphone. Ah là-bas il y a de l'eau, on va aller voir ça par là déjà. On va bien voir. Hein. Enfin, il y a de l'eau, c'est sec. Hein. Il va en falloir des pluies pour remplir les trous d'eau. Il y a de la châtaigne. Qui dit châtaigne, dit belet à pied rouge. À trouver aussi, pour voir. Je vous ferai voir ce que c'est si vous ne savez pas. À tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est un petit belet orangé. Voilà, c'est un petit belet, on l'appelle le belet orangé, médiocre comestible, j'aime pas trop, c'est vraiment le bas des cèpes, hein. Voilà, enfin des belets, le bas des belets. Hein. On l'appelle le belet orangé parce que le chapeau il est orange, et il est sur le pied, il a des petites taches aussi orange. Voilà, donc on va continuer sur le trajet. À la recherche des cèpes de Bordeaux ou de pieds de mouton ou autre. À tout à l'heure.
dingue, hein, j'ai changé de bois par rapport à l'autre. Celui-ci, il est vraiment sec. C'est vrai qu'il a même pas plu. C'est dingue, hein. C'est sec de chez sec. Alors, comme je retrouve pas pour l'instant de cèpe, j'ai vu un petit spot à part dans le coin là. Je vais essayer de m'y installer, manger un petit bout parce que ça creuse. Et puis bah voilà quoi. Ah, c'est flippant parce que les feuilles, on dirait des cèpes parfois. Ouais, celle-ci, je croyais que c'était un cep de Bordeaux. Mais non, c'est pas un cep. C'est qu'une feuille. C'est trompeur, hein. Bon, on va continuer par là. On va se trouver un petit spot pour manger. Tranquille. Oh là, il y a une belle coulmelle aussi. Ça fait plaisir à voir. Là aussi. Ça fait plaisir à voir. Bah, il y a le paquet en coulmelle ici. Hein. Ah bon, il y a un beau spot aussi là. Ah, on va les traîner dans le coin alors. On va bien voir. Allez, à tout à l'heure les amis. Et celle-ci là-bas là. C'est bête parce que je peux pas zoomer. Hein. Comme celle-ci, vous voyez. Allez. Hop, on va la prendre. J'appuie sur le bout et je tire. Voilà. Je vais voir si je ne trouve pas de cèpe quelque part. On va aller fouiller dans le coin là. Allez, à tout de suite les amis. Oh, quelle est belle celle-ci. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'elle est jolie! Pas l'araignée, hein. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez, l'araignée, mais il y a une araignée. Je parle du champignon qui est là. Qu'est-ce qu'il est beau! Regardez-moi ça! Ça, c'est du... la belle lépiote. Ah, le pied est venu sans faire exprès, tant pis. Hop là! Alors, à savoir... que les gens ne le savent pas tous. Moi non plus, je l'ai appris il y a un peu de temps, hein. Que le champignon, en fin de compte, c'est qu'un carpophore. C'est-à-dire, ce serait le sexe du champignon qui est sous terre. Donc le champignon hérité qu'on mange, c'est uniquement le sexe du champignon qui est sous terre. Ça s'appelle un carpophore. Voilà les amis, vous savez. Bon, on essaye de retrouver... on va essayer de retrouver un peu de cèpe. C'est vraiment agréable la forêt, hein. Mon neveu d'habitude qui vient avec moi, il s'est tiré au Canada. Ça fait que bah, je suis tout seul à aller aux champignons maintenant. Avant il m'accompagnait souvent mon neveu. Mais il a bien raison d'aller au Canada. C'est beau là-bas en plus. Il a pris des cerfs en photo. Nous on ne trouve plus beaucoup d'animaux ici, c'est vraiment rare. Hein. Waouh! Les cèpes, ça va être dur à trouver, mes amis, hein, je vous le dis, moi. Bon, ben, on va continuer, parce que trouver des cèpes, ça va être dur, hein, maintenant. J'ai quitté le bon coin, là. Ça va être chaud pour trouver des cèpes, hein. Alors, on continue, et on continue. Je vais finir par en trouver, hein. Un autre cèpe de Bordeaux et la limace se régale. Regardez, oula, regardez-moi ça. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Je vais voir si je peux en trouver ailleurs. Je vais le laisser celui-ci. Je vais me poser ici 2 secondes pour y manger mon casse-croûte, pour me faire un petit café. C'est pas mal ici, hein. Regardez-moi ça. Wow, regardez les coulemelles. Bien, il y en a deux. Ouais, je vais quand même les prendre, elles sont belles. Hein.
Ah, c'est agréable ici, j'aime bien. Ça fait un peu mort, mais c'est pas grave, c'est joli. Ça fait partie de la nature. Hein. Allez, je vais couper, les amis. Je crois avoir vu un autre spot pour m'y arrêter. On va voir ça tout de suite. En même temps, je regarde s'il n'y a pas de cèpes, hein, bien sûr. Ils sont à la base. Ah, voilà, un bolet à pied rouge, les amis. C'est ça, un bolet à pied rouge. Ah, c'est un bon comestible, bien sûr. Oh, purée. Voilà, c'est un bon comestible. Vous voyez, le pied rouge. Il y a même une trace. Les tubes sont rouges aussi. Chapeau, couleur chamois. Et quand on le coupe, il devient bleu. Il ne faut pas s'affoler. Hein. À la cuisson, le bleu s'enlève. Alors, ce champignon, il se mange bien cuit. Parce que pour l'estomac, ça peut être dur. Certaines personnes ont du mal à le digérer. Mais sinon, c'est un très bon comestible. Bon, celui-ci, je vais le laisser à terre. On va le laisser pour les limaces. Voilà. Mais c'est un bon comestible aussi. Hein. Et comme là, je trouve pas mal de cèpes de Bordeaux, je vais rester sur les cèpes. Voilà, les bolets à pied rouge, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà, sinon, je l'aurais pris. Hein. Mais bon, on trouve assez de cèpes de Bordeaux. Donc, on va se baser dessus. Hein. Voilà. On va essayer de se mettre ici. Pour manger mon casse-croûte. Oh, on est bien là. Faut que j'arrive à trouver de quoi m'asseoir, sinon faut que je mette moi un Mac. Ah, il y a une autre coulmelle. Joli, joli, joli. Bon, je vais prendre encore une, puis on verra bien. Quoique non, il y a une limace dessus. On va la laisser manger. On ira en chercher d'autres, c'est pas les champignons qui manquent. On va la laisser en paix. Allons-y. On va continuer de chemin pour l'instant. Et là, on va la laisser finir son petit déjeuner. Nous, on va continuer le chemin. On va passer par là, voir. Hop là. Je crois que c'est ici que je vais trouver des cèpes. Hein. Je vais trouver des arbres vivants pour ça. On va aller par là un peu. Oh, regardez-moi ça, je dis ça moi. Regardez le beau cèpe qui est là. Voilà, ça c'est pas un cèpe, j'y connais rien. Et je dis, c'est moi qui dis qu'ici on trouvera pas. Ah, l'un qui connaît rien. Allez, on continue, je vais le prendre. Pour l'instant, je vais éteindre la caméra. A tout de suite, les amis. On continue à chercher. Du coup, j'ai toujours pas mangé. Je suis pas sérieux. Hein. Autant peur de louper des cèpes de Bordeaux, alors voilà, on mange pas. C'est bête. Hein. Voilà, par contre, je vais m'arrêter et je vais manger. Hein. Ah, les coulmelles, là, il y en a pas mal. Hein. Ah, il a bien plu. Hein, alors, forcément, il y en a pas mal. Je vais continuer par là. Hein. C'est dur à trouver les cèpes parce que les chapeaux, ils prennent la couleur des feuilles, de l'endroit où ils sont. Vous voyez? Donc c'est pas évident. Des fois on peut passer à côté, on ne les voit même pas du tout. C'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter et regarder.
Bien sûr, ça assure pas qu'on en trouve à tous les coups. Hein. Alors voilà un bleu orangé, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez le pied, il est orangé. Il a des taches oranges. Vous voyez? Ça, c'est un bleu orangé. C'est pas un cep, c'est un bleu. C'est le meilleur des... pas le meilleur, on va dire. C'est le dernier à manger, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Il y a de la chasse, hein. J'entends des coups de feu. Bon, j'irai bien m'asseoir là-bas, tiens. Hop là. Allez, on va s'asseoir en face, là. Bon, allez, on continue. A tout à l'heure, les amis. Ça y est, les amis. Là, je vais faire une pause, manger, boire un petit coup. Voilà. Je vais régler un peu l'appareil. Voilà. On va faire un petit sandwich. Par contre, bah, je vais m'installer ici, là, devant, là. Et la cam, je vais la mettre de l'autre côté. Comme ça, ce sera mieux. A tout de suite. Ça fait bien de s'asseoir. Hein. Je sais pas si vous m'entendez, donc je vais parler un peu fort. Rapprocher la cam, enfin le téléphone, comme ça si j'ai des choses à dire vous m'entendez les amis. Bon, donc voilà, je vais donc manger mon sandwich, préparer ça, j'ai mis mon morceau de beurre je ne sais où, on n'en fait plus, ça tourne dessus. Qu'est ce que j'ai fait de mon morceau de beurre? Eh ben il est dans ma poche. Ah là 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 là. Vous savez quoi? Ben, ça fait du bien de se reposer deux secondes. Hop là. On va. En tout cas, je suis content parce que mon dos, il a l'air de tenir. Et comme demain, je reprends le travail, ça va me rassurer un peu. Mon genou, pareil. Alors bien sûr, on va pas faire comme les abrutis de porc qu'il y a en forêt. Bah, le papier, je le ramène. Hein. Comme dirait Nico. Voilà. Hop là, le couteau, tu restes là. C'est qui glisse, hein. Alors par contre, le papier, je vais le mettre dans le foie. Et bon, on va le mettre là en attendant. Voilà. Ah non, je sais où je vais le mettre. C'est où je vais le mettre, le papier. Ça plastique. Hop là. Voilà, on va le mettre dedans.
comme lui il va me servir de sa poubelle. Ouais, c'est pas difficile hein, de ramener ses déchets, hein. Franchement. Hein. Allez, hop, soyons fous. Soyons fous. Les bonnes tranches. Mmh. Et voilà. Ça fait du bien de manger. Hein. Ouais. Je sais pas quelle heure il est. J'aimerais bien retrouver un peu de cèpe avant de partir. Il est bien ce petit coin. En plus, je suis pas loin de la gare, juste à côté. Un bon petit spot pour bivouaquer. Ah, ouais. Même contre les sangliers, il y a ce qu'il faut. Ouais, j'écarte un peu les herbes, je me mets entre les deux herbes. Je suis à l'abri des sangliers. Comme mon camp, il a fait que je le détruise. Ouais, ça servait de lieu de rendez-vous, mais il laissait tous leurs déchets dessus. En fin de compte, c'est mieux de ne pas avoir de camp. Comme ça, ben, on ne va pas toujours au même endroit. Voilà. Et là, vous voyez, je découvre un nouvel endroit. Sinon, j'aurais été dans mon camp. J'aurais jamais découvert cet endroit-là. Je vais finir de manger à tout à l'heure, les amis. On va se faire un petit café. Voilà, mon petit réchaud à alcool. J'espère que l'alcool n'est pas trop froid. C'est bon. C'est bon, c'est allumé. Voilà. Voilà, voilà, il est allumé mon petit réchaud. Et on va se faire un petit café. Cuillère. Très bien, hein, voilà, il y a la fourchette. Là, ça fait couteau. Avec le tire-bouchon. Franchement, il est complet celui-ci. 18 euros à Décathlon. Voilà. Je l'emmène toujours avec moi quand je vais bivouaquer maintenant.
préparer le café. Je me sers un peu trop fort, on dirait, de bouchon. Hein. Hop là. Comme je suis droitier. Parfait. Hop. On va mettre un sucre. Le sucre est dedans. Allez, hop, à l'abri de l'humidité. Alors les petits pots là, c'est des jouets, vous savez, avec des produits pour faire des bulles dedans. Voilà, j'ai utilisé ça. J'ai mon sac poubelle, comme d'hab. Voilà. Et maintenant, on va boire le café avec le petit pain. A tout de suite. Il va falloir que je prévoie quelque chose pour mon réchaud, pour poser ma petite gamelle dessus parce qu'elle vient de tomber. Bon, il me reste de l'eau dedans, de l'eau chaude, mais voilà. Bon, ah, voici les amanites tout mouches, elles sont là. Vous les voyez ? Sont belles, hein. Voilà, il y en a un tout petit, je vais vous le faire voir. Hop là, si j'arrive à passer sans les abîmer. Voilà. Regardez, les tout petits tout mouches, c'est pas beau ça, hein? Voilà, voilà, petite tout mouche, voilà, c'est joli, hein. De l'eau un peu, c'est un peu chaud, j'aime pas le café trop chaud. Voilà. Et bah disons les amis, ah, j'ai pas le confort de mon petit coin que j'avais, mais bon, c'est un choix, hein. On est en forêt ou on ne l'est pas, hein. Il fait frais, mais en même temps j'ai chaud. Ça fait du bien. Hein. C'est mieux que d'être enfermé à la maison, hein, devant la télé, comme dirait Indiana. Ça fait du bien de sortir. Bon, bah Alain et Indiana, à la bonne vôtre, hein. Je suis au café, hein. Bien sûr, j'oublie pas Cathy et Sabine, la petite famille Alain. Un petit coucou à eux. J'ai hâte de les revoir. Ouais. Et je vais essayer de chercher quelques petits cèpes et puis après je rentre. Parce que demain le travail, je préfère me reposer un peu avant.
Voilà, voilà, les amis. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout ranger. D'abord, je vais rincer ça un peu. Cette fois-ci, j'ai prévu assez d'eau quand même. Hein. La dernière fois, c'était juste aussi encore. Là, j'ai pris 1,5 litre. Ça doit faire. J'ai oublié ma petite cuillère, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça doit être dans quoi? On va voir après. Voilà. Déjà, on va ranger ça. Hop là. Ensuite. Allez, on plie le bagage. Hein. Elle était dans ma poche, la petite cuillère. Je suis vraiment désordonné hein, des fois. Hein. C'est moi qui m'y prends mal. Voilà. Alors le réchaud que vous avez vu là, c'est un biolite. Non, c'est un pyrolyse. C'est le pyrolyse. C'est un petit réchaud à bois. Je n'ai pas encore utilisé en tant que réchaud à bois. Mais ça ne devrait pas tarder parce que le biolite il est un peu lourd. Le biolite, je l'emmènerai sur plusieurs jours, mais pas pour une journée. Voilà. Hop là, on va fermer ça. On va remettre le petit manteau. Enfin, le carouet. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir ce qui me servait de trépied pour le téléphone, pour filmer. Hop là. On va remettre le sac à dos sur le dos. C'est sa place d'ailleurs. Je regarde si j'ai bien tout fermé. Pour rien perdre. C'est le plus important. Fermeture en bas toujours. Au moins ça ne risque pas de s'ouvrir. Allez, c'est parti. Hein. Hop. Alors voilà ce qui me servait de trépied. De trépied. Voilà. C'est ça. Voilà, et je posais mon téléphone sur mon télescopique que je posais sur le bois lui-même. Voilà. Bon, on va continuer la chasse, la cueillette aux champignons. Et on y va. Allez, à tout de suite les amis. Alors, voilà, il ne reste rien du tout à terre. Tout est bien ramené. Donc on va continuer vers les amanites. Voilà, je vais regarder l'heure qu'il est déjà et je vais voir si je reste ou pas. Hein. D'accord? Allez, à tout à l'heure les amis. Là, c'est des couperins micacés. Ils ne sont pas comestibles bien sûr. Et si jamais vous venez en manger, vous n'en mourrez pas. Hein. Mais si jamais vous en mangez et vous buvez de l'alcool derrière, ben alors vous allez être malade comme pas possible. Et c'est vraiment très très impressionnant. Hein. Le cœur va palpiter, vous allez devenir tout rouge. Enfin, vous allez être vraiment très mal. Hein. Ouais. Ça, si vous voulez arrêter de boire, mangez de ces champignons-là. Hein. Vous ne pourrez plus boire après. Hein. Là, on dirait des petites girolles. Mais ça n'en est pas, c'est des fausses girolles, ça. Voilà, voilà. On va continuer. Ah, il y a eu de la cherche ici, parce que je vois des tricholomes. Il y a eu de la cherche ici. Il y a eu de la fouille, hein. Je sais pas si je vais trouver des cèpes. Hein. Ouais, c'est pas grave, on va se balader. Voilà, hop là, faut pas que je tombe non plus. C'est traite ici. Ah. Bon, dès que je trouve un champignon, on se retrouve les amis. À tout à l'heure. Voilà un petit terrier. Voilà. Je sais pas c'est qui, c'est peut-être un renard. Mais c'est un petit terrier. C'est bien ici, c'est un bon endroit. Hein. Il doit y avoir de la vie ici. Hein. Bah, dans toutes les forêts. Hein. Ah, il y a une personne qui cherche les champignons, deux personnes. Donc on va s'éloigner un peu plus. Voilà, voilà. Bon, bah, à plus, hein, les amis.
cèpe. Ça fait du bien là, en courant là. On va continuer d'en prendre. Voilà, je vais le couper. À tout de suite. Juste à côté, regardez ce que je vois. J'ai failli marcher dessus. Un autre cèpe. Ah, juste à côté. C'est là, bon. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau, ça. Je vais le nettoyer. Alors, voilà un autre deal, donc. Regardez-moi ça. Là. Juste là. Je vais couper et je vais le prendre aussi. Hop là. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Je vais enlever la feuille. Voilà mon petit cèpe. Hop là, pardon. Bon bah depuis tout à l'heure, j'ai rien trouvé. Donc ce que je vais faire, bah, on va rentrer. Hein. Voilà, voilà les amis. J'espère que vous vous serez bien baladé aussi. Cette vidéo vous a donné envie d'aller en forêt. Mais franchement, il faut y aller. Ah, il n'y a pas que la forêt, vous allez me dire. Et moi, j'aime la nature. On va continuer par là et puis on va rentrer vers la gare. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bon, bah, heureux, les amis. Alors, toujours rien en vue pour l'instant. Donc je continue, on cherche. Mais vu l'heure, là, je pense que je vais rentrer pour partager ma petite récolte. Allez, voilà les petits copains qui sont cassés. Il y en a qui les ont déterrés, là, apparemment. Et ceux-là, comme je vous le dis, ils ne se mangent pas. Sans valeur culinaire, et bien sûr consommer avec de l'alcool, c'est dangereux. Voilà. Je crois que j'ai senti une petite odeur de cèpe dans le coin. C'est ça arrive des fois quand il y a une odeur de cèpe, c'est qu'il y en a dans le coin. Alors faut bien fouiller. C'est peut-être une idée que je me suis fait vu que mon sac il y a des cèpes dedans aussi. Donc voilà, faut bien fouiller. Bien fouillé et normalement on trouve un petit cèpe. Non, j'ai dû me faire une idée, assez champ plus l'odeur. Non, ok. Bon, bah tout à l'heure, je vais fouiner un peu dans le coin et puis on va rentrer en direction de la gare. Bravo, hein. Bouteille plastique, bouteille en verre, là-bas pareil. Bravo, hein, c'est une vraie décharge la forêt. Quelle bande de honteux. Ouh, ben voilà, je retombe sur mon petit bol à pied rouge de tout à l'heure. Voilà. Donc je suis bien revenu sur le bon chemin. Hein. Donc je vais continuer. Hop les. Ah, j'ai mal dans les hanches, là. Il va falloir que je m'arrête un peu parce que là, je crois que je force de trop, quoi. Allez, petit cèpe, montrez-vous. On va aller voir par là, là, ce qui se passe. De toute façon, là, je retourne en direction de la gare. En espérant trouver encore quelques cèpes. Il y a eu beaucoup de fouilles. Donc, je ne sais pas si je vais en retrouver, hein. Ah, écoutez ce bruit du vent, vraiment agréable. Là, il va voir l'arbre là-bas, là, le gros arbre. Hop, le chêne, c'est un chêne. Appelons les arbres par leur nom, ça serait bien. Je sais pas si en marchant par là, je vais en trouver, on va voir. On va tout. Là, c'est ce qu'on a coupé tout à l'heure. On va voir par là. Hein. Thank you.
châtaigne. Comme je vous disais, hein, qui dit châtaigne, châtaignier, qui dit châtaignier, bolet à pied rouge. Hein. Bon, comestible aussi, mais bien cuit. Hein. C'est parti! Ah, une petite coulmelle encore. Hein. J'apprends ou j'en ai assez? Ah, on va la laisser, j'en ai assez des coulmelles. On va en laisser pour les autres et puis bon, si elle peut survivre, pourquoi pas? Elle pourra se régénérer. Voilà, elle va prendre ses spores, sa sporée. Ah, ça va refaire d'autres champignons. Voilà. D'où le pourquoi il faut laisser les vieux sujets. C'est pas la peine de les prendre, les vieux sujets. Laissez-les faire leur sport. C'est ce qui va faire la reproduction de champignons. Bon, je reprends tout à l'heure, les amis. Encore un petit volet orangé. Voilà. Et je vais le laisser. Je ne les prends pas. De toute façon, c'est pas terrible. Alors, je les laisse. Il y en a qui les mangent, ils aiment bien. Bon, bah, chacun ses goûts. Hein. Ah, je suis embêté avec une branche. Voilà. Allez, petit cèpe, montrez-vous. Petite coulmelle là-bas. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On dirait que c'est pour faire des petits tambours avec. Elle est belle, hein. J'aurais bien envie de la prendre. Elle est jolie, celle-ci. Allons-y. Je la prends. Hop là. Ah, dommage, le pied est venu avec. Et hop là. Voilà. Une petite coulmelle. Hop là. De toute façon, c'est meilleur quand elles sont petites comme ça. Là-bas, j'aurais dit un petit cèpe, mais non, c'est une feuille. C'est, j'ai eu de l'eau, je crois. Je sais pas si c'est le RER en face, on dirait. Ah, c'est le RER. Ah oui, c'est de l'eau. Voilà. C'est bien de l'eau. Un petit marais. Bon, bah nous, le train, il est en face, là, le rail. Nous, on va le suivre par là-bas. Et on va rentrer. C'est parti. Bah, voilà, les amis. J'ai passé un bon après-midi. Enfin, un bon après-midi. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous avez passé un bon petit moment avec moi en forêt, à la recherche de champignons. Voilà, donc j'arrive pas loin de la gare. Alors je vais vous faire un petit coucou, vous dire au revoir, vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Salut les amis!